Bonjour, je m'appelle Corchée Sephora, j'ai 26 ans et je pratique le sambo. Je suis gardien de la paix et sportif de haut niveau au sein de la mission sport de la police nationale. Thomas Jordier, athlétisme, 400 mètres, un tour complet. Très content d'être ici. Parce que j'ai toujours voulu intégrer la police nationale, c'est vraiment une vocation pour moi avant d'être une sportive de niveau. J'ai toujours été fascinée par l'investigation. Je suis entré dans la police parce qu'on partage des valeurs communes, police et sport. La résilience, le dépassement de soi. Je dirais le respect, le courage aussi et la solidarité. Toutes les valeurs, mais particulièrement le respect. On est carrément dedans, dans le sport on partage beaucoup de choses, dans la police on doit partager aussi, tout en restant assez sérieux et il y a un temps pour tout et la police et le sport sont communs là-dedans. Les deux, hein, les deux. Mais bien évidemment, moi je fais du sport valide, donc plus haut, plus vite, plus fort. Les deux également. Parce que je pense que c'est important de mettre en avant aussi l'inclusion. Bah, je pense que c'est le rêve d'une vie déjà de participer aux JO, mais surtout à la maison, chez nous en France, dans cette belle ville qui est Paris. Ça représente une longue carrière pour certains, une courte pour d'autres. C'est un rêve tout simplement de pouvoir fournir le meilleur résultat possible à la maison et surtout donner le meilleur de soi-même devant toute sa famille et devant toute la France. Alors pour moi, malheureusement, ma discipline n'est pas au programme de Paris 2024. Mais ça va être l'occasion de pouvoir aller encourager les copains pour cet événement. T'es pas trop petite pour être policière? Sambo. Je dirais, suivez les athlètes de la police nationale.